Nous sommes prêts. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, c'est une conférence organisée par MSH, comme je vous le disais. Je vous raconte juste un brin d'histoire pour vous montrer pourquoi c'était difficile de faire venir Ronnie Broman. Non pas parce que lui ne voulait pas, lui était d'accord très tôt. Et d'ailleurs, il était d'une patience digne d'une pyramide de Khéops. Ça fait 4 ans et demi qu'il est sur le feu et qu'il attend de venir. Et pourquoi ça ne se faisait pas? Je vous raconte juste quelques petites anecdotes. La première, c'est qu'au départ, le format devait être une dispute. Une dispute, c'est un format un peu particulier que j'avais élaboré avec quelques collègues et qui consistait à placer une personne et une autre en face autour d'une question clivante. Quelqu'un défendant la partie oui et l'autre la partie adverse non. Quoi. Dans des conditions agréables permettant au mieux à chacune des intervenantes d'exprimer sa pensée. Et 20 minutes pour le premier, 20 minutes pour le second, puis 10 minutes pour répondre, puis 10 minutes après. À ma grande surprise, alors que la France est un pays qui est en guerre quasiment discontinue depuis plus de 50 ans, mais ailleurs, donc ça se voit pas trop, et qu'il y a beaucoup d'éditocrates et de journalistes qui se font les chantres des interventions militaires, personne n'a voulu accepter de contredire Ronnie Broman ici. J'ai appelé 4 ministres, j'ai dû appeler 40 personnes qui étaient des gens qui défendent donc les interventions militaires. Et parmi elles, une seule personne a accepté, c'était au mois d'octobre, je tiens à le dire, il s'appelle Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, il est directeur, il est à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, et malheureusement, il partait en poste au Vanuatu. J'ai regardé, c'est 16 235 km, c'est un petit peu loin pour le faire venir. Mais donc, lui, il a dit oui, il a eu enfin le courage, mais j'ai demandé à Bernard-Henri Lévy, c'est les grands penseurs français, Finkielkraut, ils m'ont tous jeté, et ils m'ont dit non. Une fois que j'ai proposé de faire parler Ronnie Broman seul, alors là, c'était une galère sans nom, parce que bon, le Covid est arrivé, et ensuite, l'université était assez frileuse. Pourquoi? Je ne sais pas répondre à cette question, si ce n'est que je pense que l'affaire Sciences Po a dû jouer un rôle. Vous savez peut-être pas qu'il y a eu une affaire Sciences Po assez rocambolesque, et donc il y a eu une certaine frilosité qui s'est faite sur les questions politiques, et donc on m'a sommé, en gros, d'aller prendre des gages de scientificité au laboratoire Pacte, à l'IEP, l'Institut d'études politiques, un peu partout. Donc j'ai fait le tour des popotes, comme on dit. J'ai enfin eu les agréments de tout le monde pour qu'à la fin on me dise « Oh ben non, c'est un sujet trop politique ». Donc là j'étais passablement agacé. Et donc j'ai dit à Ronnie « Tu peux attendre encore un peu ?» Il m'a dit « Oui ». Alors et là, Laurent Beg est sorti de sa boîte et il m'a dit « Mais viens, on le fait et tant pis, il vaut mieux demander pardon que la permission ». Donc je te remercie vraiment pour ça. Sans ça, cette conférence n'aurait pas eu lieu, alors que le sujet des guerres, à raison humanitaire ou pas, c'est quelque chose d'assez prégnant et les actualités malheureusement nous le montrent sans arrêt. Je voudrais remercier aussi une personne qui prendra la parole tout à l'heure. Alors en gros, comment ça va se passer? C'est simple, Ronnie va dérouler ce qu'il a à nous dire sur la question pour laquelle vous êtes venu, c'est-à-dire y a-t-il des guerres justifiées sur le plan humanitaire? Est-ce que c'est justifiable de rentrer dans des conflits pour des raisons de type humanitaire? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a des cas qui sont limites pour toi? Et là où j'ai très confiance en Ronnie Broman, c'est que j'ai déjà entendu revenir sur des choses qu'il avait dites. Il est capable de faire un retour critique que je vois assez rarement chez des penseurs célèbres. Et donc, je sais que s'il y a des choses, même peut-être qu'il regrette dans sa carrière ou sur lesquelles il veut revenir, il le fera sans aucun phare. On a décidé de faire donc un petit exposé, des questions. Vous, pour les questions, on n'arrivera pas à les capter correctement pour la vidéo. Donc probablement que Laurent ou Laurence ou moi, on refera les voix au mieux en reprenant votre question pour pouvoir l'intégrer ensuite aux réponses de Ronnie. Et puis on a demandé à une discutante, c'est-à-dire quelqu'un qui est une personne pointue dans le domaine des sciences politiques, qui s'appelle Delphine Deschaux-Dutard, qui est ici, juste là, et on lui a demandé de ne pas poser ces questions d'emblée tout de suite, parce que probablement ces questions, elles sont vraiment carrées, techniques, pro, etc. On ne voulait pas glacer le sang de tout le monde. Donc en gros, première salle de questions, je me déplacerai vers vous pour vous tendre un appareil qui s'appelle un zoom, que je vais vous passer. Et mon seul travail à moi, ce sera de raccourcir vos questions si elles commencent à partir en monologue. C'est assez fréquent, j'ai souvent eu l'occasion de prendre des questions de gens où la question, il n'y a pas de point d'interrogation et les gens se servent de tribune. Donc l'idée, ce n'est pas de vous faire une tribune à vous, c'est de permettre à Ronnie Broman d'aller plus loin dans sa réflexion. Donc n'hésitez pas à poser des questions caustiques, pointues, embêtantes, je crois qu'il a peur de rien.
Mais par contre, moi, je vous couperai si votre question dure plus de 2 minutes, quoi. Ça commencera à poser problème. Et ensuite, il y a la partie où Delphine posera ses questions acérées, et on reviendra encore des questions du public jusqu'à épuisement ou enfermement dans l'établissement. J'ai quelques biscuits, on pourra survivre peut-être à la nuit avec ce petit tas de biscuits. Ça vous va comme principe ? Eh bien, très bien. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Richard Monvoisin et bon, je suis enseignant ici, j'enseigne l'esprit critique aux étudiants et j'aime bien quand je prends la parole en public donner mes liens d'intérêt. Je trouve que les médecins le font et on devrait être tous intellectuels, tous ceux qui font une profession intellectuelle devraient le faire. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec des entreprises quelles qu'elles soient, que ce soit Bouygues, Dassault, Sanofi, Pfizer, etc. Voilà, au moins c'est dit. Eh bien, Ronnie, je te propose de prendre ce micro et de nous délivrer ton savoir. Merci Richard. Bon, pour me mettre dans le bain, je vais déclarer moi aussi mon absence totale de lien d'intérêt. Je ne suis dans aucun parti, j'ai aucun intérêt commercial. Bref, j'essaye d'être totalement libre dans ma réflexion. Alors la question des guerres humanitaires, elle se pose depuis très longtemps. Pour ce qui nous concerne, nous, en France ou en Europe, on peut faire remonter cette notion à la famine et à la guerre en Somalie en 92, lorsque une intervention armée a eu lieu pour venir à bout de bandes armées qui étaient présentées comme des causes de la famine, des populations déplacées dans un pays aride, en guerre, qui étaient donc privées de toutes leurs ressources habituelles, laissées à leurs propres moyens de survie, qui étaient très maigres, à quoi venaient s'ajouter des groupes armés qui pillaient sans vergogne les convois des organisations humanitaires comme Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge et deux ou trois autres. Si bien que le secrétaire général des Nations Unies a appelé à une intervention armée. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais simplement parce que c'est un peu ancien et puis que les problèmes qui sont posés ne sont pas radicalement différents de ceux que je vais exposer au sujet de la Libye. Mais je veux juste d'emblée dire que le tableau qui était présenté, c'est-à-dire celui d'une espèce de Far West avec que des méchants qui venaient affamer les enfants, était précisément une image de western et non pas la réalité de la situation en Somalie. Mais la raison pour laquelle je cite cet événement, c'est parce qu'il a donné lieu à la première formulation « guerre humanitaire ». Somalie, la guerre humanitaire, titrait Libé, qui a été mieux inspiré en d'autres moments, en décembre 92, lors d'un événement dont les plus anciens gardent peut-être un souvenir, qui était le débarquement des troupes américaines dans le port de Mogadiscio le 8 décembre 92. Débarquement qui avait quelque chose de ridicule parce qu'ils arrivaient en position de combat, grimés, avec tout leur attirail, et qu'ils débarquaient pratiquement en rampant ou en situation de parachutage derrière les lignes, devant quelque chose comme 300 journalistes en short et en tongs, avec pour certains le clope au bec, qui les filmaient, les observaient. Et il y avait donc un contraste qui a frappé tout le monde à l'époque entre ce mime d'une intervention armée offensive et la réalité d'un débarquement qui était purement spectaculaire, mais et qui allait ensuite déboucher sur ce que finalement cette mise en scène annonçait, à savoir une dérive sanglante, un fiasco total, une catastrophe. Et pour la première fois, on a tué, enfin pour la première fois, ça resterait à vérifier, mais enfin il me semble, dans mon souvenir en tout cas, et dans mes lectures, c'était pour la première fois, on tirait sur des gens, sur des civils, sur des manifestants, sur des gens dans la rue, dans des circonstances extrêmement troubles et tendues, naturellement, pas gratuitement, enfin qu'on tirait sur des gens au nom de l'humanitaire. Et donc, quelque chose comme 1000, 1500, peut-être 2000 personnes, on ne connaît pas les chiffres, ont perdu la vie, tués par des gens qui étaient censés préserver la vie. Et donc on avait là, d'emblée, cet oxymore, cette contradiction dans les termes,
guerre, c'est-à-dire mise à mort organisée, et humanitaire, c'est-à-dire défense de la vie, en tout cas de certaines circonstances de la vie. Et le fait d'accoler les deux a été réalisé donc par plusieurs journaux, et on a parlé donc de cette première guerre humanitaire. Si bien que je me suis approprié le terme à la suite de la guerre de Libye. J'avais eu l'occasion de... j'avais écrit un tout petit ouvrage à l'époque, en 93, donc peu de temps après ce débarquement, que j'avais appelé « Somalie, deux points, le crime humanitaire », ce qui était aussi une façon de rassembler deux termes qui, en principe, doivent se contredire et s'annuler l'un l'autre. Bien là, au contraire, ils se complétaient, ils signifiaient quelque chose au sujet de cette situation particulière. Si on parlait de guerre humanitaire pour n'importe quel membre d'une organisation humanitaire, enfin je dis n'importe quel, disons l'immense majorité des membres d'organisations humanitaires, je dis l'immense majorité parce que nous avons eu quand même au gouvernement un ou deux humanitaires, enfin surtout un d'ailleurs, Bernard Kouchner, qui tout en ayant fait un parcours humanitaire assez long, était un défenseur de l'usage de la force, de la mise en œuvre de violence pour un bien supérieur. Et donc, par exemple, il était un très chaud partisan de cette intervention en Somalie, comme il a été un chaud partisan de la guerre en Irak et de la guerre en Libye, qui était une sorte de réplique à plus petit niveau, mais qui s'inspirait des mêmes thèmes, des mêmes idées, la guerre de Libye, dont il avait été un fervent partisan. Et Bernard Kouchner n'est pas n'importe qui dans le paysage humanitaire. Il incarne une certaine sensibilité qu'on pourrait qualifier, disons, de néoconservatrice, par référence à un courant politique américain qui prône l'usage de la violence pour parvenir à l'institution de la démocratie, en tout cas à une évolution vers l'état de droit, la défense des droits de l'homme, des libertés fondamentales, etc. Ce qu'on a vu donc notamment en 2003 et dans les années qui ont suivi en Irak, puisqu'ils avaient été les penseurs stratégiques de cette intervention dont, je le rappelle, l'objectif n'était pas de se saisir, ou en tout cas l'objectif primordial, mais je pense même pas que l'objectif secondaire était là, n'était pas de se saisir des immenses richesses pétrolières de l'Irak, mais d'enclencher un cercle politique vertueux qui était celui de ce qu'on appelait le Greater Middle East, c'est le Grand Moyen-Orient, qui devait être le nouveau pôle de démocratisation que les États-Unis allaient mettre en place grâce au déclenchement de cette guerre et à l'élimination du principal ou d'un des principaux dictateurs de la région, Saddam Hussein. Donc cette notion, elle a cheminé assez longtemps. Et si personne n'aurait véritablement qualifié la guerre d'Irak de guerre humanitaire, l'idée était là, à un état un peu flottant, disons, elle ne se cristallisait pas, elle ne se densifiait pas, mais elle était tout de même présente. Et là où elle a vraiment, en quelque sorte, triomphé, après d'ailleurs avoir été aussi utilisée au sujet du Kosovo en 99, là où elle a vraiment triomphé, c'est en Libye, au cours de l'année 2011, donc avec le conflit qui a été, enfin la guerre qui a été déclenchée en mars 2011 et qui s'est terminée six mois plus tard, en octobre, à la fin octobre 2011. Et c'est là-dessus que je voudrais creuser un petit peu, en commençant par mise en contexte institutionnel, puis une mise en contexte politique. La mise en contexte institutionnel, si j'ose dire, c'est le rappel d'une déclaration faite par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies, déclaration commune, qui concernait la responsabilité de protéger. Cette formulation, responsabilité de protéger, a été le titre d'un document. Si j'hésite un peu sur les termes déclaration, document, c'est parce que le statut de cette déclaration n'est pas tout à fait clair. Enfin, peut-être que
on aura un éclaircissement ultérieur, enfin en matière politologique ou juridique, je ne sais pas. En tout cas, c'est un texte qui a été endossé par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui n'est pas si fréquent que cela, à l'occasion du 60e anniversaire de l'institution, et en référence directe à deux événements majeurs des années 90, qui avaient été l'un le génocide Tutsi du Rwanda, et l'autre la guerre d'ex-Yougoslavie, ultérieurement qualifiée également de génocide, un génocide bosniaque, génocide d'ailleurs un peu étrange si j'ose dire, parce que c'est un génocide dont on connaît les victimes, mais pas vraiment les perpétrateurs, criminels. En tout cas, ce sont, disons, du point de vue des institutions internationales, de l'ONU, car le génocide de Bosnie a été déclaré tel par l'ONU, ce sont deux génocides face auxquels la communauté internationale, ou si on préfère la société internationale, ce qui était un terme peut-être un peu plus juste, n'a pas véritablement réagi. Pas du tout pour ce qui était du génocide Tutsi, et insuffisamment, de 94, hein, je le rappelle, et insuffisamment pour ce qui concerne la guerre d'ex-Yougoslavie qui s'est déroulée entre 92 et 95. Donc, une commission a été mise en place, dont je vous passe les détails, qui a accouché de cette formulation « responsabilité de protéger », qui a été finalement adoptée par l'ONU en 2005. Alors, qu'est-ce que cette responsabilité de protéger ? C'est un texte qui se fonde sur l'idée qu'un gouvernement est là avant tout pour protéger sa population. S'il est incapable de le faire ou s'il devient éventuellement une menace pour sa population, il y a à ce moment-là atteinte à la sécurité collective et le Conseil de sécurité est habilité à faire appel au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui autorise le Conseil de sécurité à déclencher l'usage de la force pour mettre un terme aux exactions ou aux crimes qui sont en cours. Quels sont ces crimes? Comment sont-ils qualifiés? Ils sont au nombre de 4. Il s'agit de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de purification ethnique et crimes de génocide. Si l'on constate l'un de ces crimes en train d'être commis et que le Conseil de sécurité estime qu'il est judicieux d'intervenir pour y mettre fin, alors on active la responsabilité de protéger. Et ce qui est frappant, et c'est pour ça que je parlais d'une échelle historique qui pouvait être étendue, ce qui est frappant lorsqu'on lit ce document, et pour ceux qui s'intéressent au droit international ou à la politique internationale, je vous encourage à lire ce document qui est très, très court, il fait 4 pages. Et sur les 4 pages, il y a en gros une demi-page qui est intéressante parce que le reste est consacré à l'importance d'avoir une activité diplomatique internationale qui soit favorable à la paix, d'arriver à prévenir les conflits, bref, de résumer ce qu'est l'activité de la plupart des diplomaties de puissance dans le monde. Et une autre partie est consacrée aux obligations que les États doivent se faire d'aider à la reconstruction des pays qui ont été le théâtre d'une guerre. Donc, que du baratin sans grand intérêt, qui est là pour remplir un petit peu. Ce qui est frappant dans ce document, c'est le paragraphe du milieu, en quelque sorte, la demi-page significative, qui met en avant les circonstances dans lesquelles la force peut être utilisé et qui détaille les critères qui permettent de distinguer les situations où l'on peut intervenir de celles où on ne peut pas intervenir. Au-delà de la qualification juridique, qui n'a pas grand... Un génocide, c'est généralement le résultat d'une enquête, d'une investigation. On ne peut pas forcément savoir qu'un génocide est en train de se dérouler au moment où il est en train de le faire. Quant au fait de savoir si des crimes de guerre sont commis, il s'agirait de savoir dans quelle guerre quelle guerre se déroule sans crime. Hein, c'est d'ailleurs une formulation tout de même assez étrange, hein, crime de guerre. Elle a tout de même... Enfin, cette notion a tout de même une définition. C'est une attaque contre des vies humaines, enfin, ce sont des tueries qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la guerre.
Ce sont donc des cruautés excessives, une notion extrêmement importante en droit humanitaire, dans le droit humanitaire international, ce qui implique en creux qu'il y a des cruautés nécessaires et des cruautés non nécessaires. Et qui décide de tracer la ligne qui sépare la nécessité d'une cruauté de la non-nécessité d'une cruauté, eh bien, ce sont généralement ceux qui emploient la force, c'est-à-dire en gros les stratèges, les généraux, les états-majors qui sont en cours. Donc ils sont à la fois officiellement juges et partis de leurs propres actions. On imagine l'efficacité d'une telle définition. Mais je termine là mon propos sur la R2P ou la R2P, comme on dit dans le jargon, dans le franglish international. Donc, elle est fondée sur plusieurs critères qui, eux-mêmes, doivent tout à saint Thomas d'Aquin, qui a été, au XIIIe siècle, le grand théoricien, le premier grand théoricien de la guerre juste. Et il est frappant de voir donc que la notion classique de guerre juste vient se couler dans la notion moderne de guerre humanitaire. Aujourd'hui, il est probable que plus personne, ou presque plus personne, n'oserait parler de guerre juste. Il y a une sorte de collision de sens qui rebute, je crois, l'immense majorité de nos contemporains. En revanche, guerre humanitaire, ça veut dire guerre de sauvetage, c'est pointé plus directement sur un enjeu d'épargne de vie humaine. Ça passe tout de même mieux. Et donc, la guerre humanitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une guerre qui est déclarée selon plusieurs critères. D'une part, une autorité légitime. À l'époque de saint Thomas, c'est le pape ou le roi très chrétien. La cause juste, qu'est-ce que c'est qu'une cause juste à l'époque de saint Thomas ? C'est la défense de la chrétienté, naturellement. Aujourd'hui, c'est la volonté d'intervenir pour mettre un terme aux quatre types de violences dont j'ai parlé à l'instant. Donc ça, c'est ces quatre crimes-là, ils sont par définition le cœur de la cause juste. Troisièmement, l'usage de moyens proportionnels, c'est-à-dire que la violence mise en œuvre ne doit pas excéder la violence que l'on veut terminer, à laquelle on veut mettre un terme. Et enfin, il y a deux derniers critères très politiques, qui sont l'un, la guerre comme dernier recours, c'est-à-dire l'obligation de tenter d'épuiser toutes les possibilités autres que la guerre, sanctions, déclarations, blocus, bref, tous les moyens, disons, non violents, non létaux, pour mettre un terme à la guerre, donc la guerre comme dernier recours. Et enfin, le critère le plus élaboré, le plus sophistiqué, c'est les chances raisonnables de succès qui donnent à cette entreprise une dimension réaliste et qui introduit une nécessité de calcul au meilleur sens du terme, c'est-à-dire de raisonnement argumenté permettant d'évaluer les chances d'avoir un succès. Qu'est-ce que c'est qu'un succès ? Ça n'est pas défini par la responsabilité de protéger. Mais on peut, chez plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le plan théorique, et l'auteur moderne qui a été le plus engagé dans ce domaine, c'est le philosophe canadien Michael Walzer, qui a écrit un livre sur la guerre juste, juste après, si j'ose dire, la guerre du Vietnam, donc à la fin des années 70, livre absolument passionnant, extrêmement érudit. J'encourage ceux qui s'intéressent à cette question à le lire, parce qu'il est bourré d'exemples historiques qui appuient le raisonnement. C'est un assez gros livre, c'est une élaboration intellectuelle extrêmement raffinée, même si, personnellement, je suis en désaccord avec plusieurs des choses que dit Michael Walzer dans ce livre. J'admire l'érudition et le raffinement du raisonnement. En tout cas, un des points que Michael Walzer met en avant, c'est le fait qu'un succès peut se déterminer à partir de l'évaluation de la situation. Est-ce que la situation créée par la guerre est meilleure que la situation antérieure à la guerre ? C'est comme ça. Alors, reste, par récurrence infinie, on peut évidemment s'interroger sur les critères de l'évaluation de ce bien-être. Mais par exemple, c'est ce qui m'a fait penser que la guerre du Kosovo en 1999, qui a été déclarée pour des raisons qui étaient parfaitement fabriquées, qui était
des mensonges propagandistes, des allégations de massacres de dizaines de milliers de personnes qui n'avaient pas existé, mais qui étaient adressées à un mauvais objet, c'est-à-dire les nationalistes, voire même, on peut dire, les fascistes serbes, parce que les milices qui étaient à l'œuvre à ce moment-là pouvaient être vraiment qualifiées de fascistes. Et la guerre du Kosovo les a mis, d'une certaine manière, hors d'état de nuire. Et au Kosovo, après la guerre, régnait une situation de sécurité, une ébauche d'état de droit, je dis bien une ébauche, qui rendait la situation postérieure à la guerre préférable pour la majorité de la population à la situation antérieure à la guerre. Donc voilà, j'en ai terminé pour les critères, mais j'ai été frappé à la lecture de ce document de la responsabilité de protéger, de retrouver, parce que c'est un thème qui m'avait évidemment intéressé dans mon activité à Médecins sans frontières, de retrouver cette notion de la guerre juste, si l'on veut ripolliner, enfin en tout cas repeinte, évitons pour l'instant les sarcasmes, repeinte aux couleurs de la modernité du XXIe siècle, repeinte en l'occurrence hein, pour commémorer la naissance des Nations Unies. C'était quand même un coup de com', il ne se passait rien de spécial en 2005, enfin quoi que si, il se passait d'ailleurs, il y avait la guerre au Darfour et il y avait les suites de l'intervention en Irak qui était déjà extrêmement sévère, mais disons que ça ne tenait pas une place centrale dans l'actualité, ça n'était pas par rapport à ces deux conflits que se situait cette proposition. Elle était là simplement pour prendre en compte les événements majeurs et apporter une sorte de lot de consolation après les indignations, les critiques de passivité, d'incapacité de défendre les principes au nom desquels l'ONU avait été fondée ou les différentes organisations internationales. Bref, il y avait eu de très nombreuses critiques qui s'étaient abattues sur les dirigeants et sur les institutions internationales. Et je crois que c'est pas vraiment une critique injuste que de parler de l'autre consolation à propos de ce document, la responsabilité de protéger. Et donc, en 2005, à l'occasion de son 60e anniversaire, l'ONU réhabilite la notion de guerre juste sous les oripeaux de la guerre humanitaire. Ce qui ne manquait pas de sel tout de même, parce que je le rappelle, pour ceux qui ne seraient pas totalement familiers avec ce monde très particulier, l'ONU a été créée pour éviter la guerre. Le Conseil de sécurité, la charte, les différentes agences ont été mises en place pour instaurer un climat de paix et un climat de coopération pour la paix. C'est à peu près les termes. Ce n'est pas exactement les termes, mais c'est vraiment l'esprit qui était là. La formulation précise m'échappe au moment où je vous parle, mais c'est tout à fait cela. Donc l'ONU est là pour favoriser la coopération, l'entente entre les peuples, l'entente entre les nations, et certainement pas pour donner quitus à une forme de guerre. Mais malgré tout, le Conseil de sécurité a été mis en place pour éviter la faillite de la société des nations incapables de réagir aux différentes, la guerre d'Espagne, la guerre d'Éthiopie, etc. Et donc ce Conseil de sécurité a produit une charte dont le chapitre 7 prévoit que, d'abord, un pays agressé a le droit de se défendre, donc ça n'est pas faire une infraction à l'engagement de respect de la charte des Nations Unies, que de se défendre quand on est engagé. Par exemple, aujourd'hui, l'Ukraine est parfaitement en règle avec le droit international en se défendant contre l'agression et l'invasion russe. Et le crime contre la paix, qui était le crime majeur, le crime majuscule du tribunal de Nuremberg, était en quelque sorte réhabilité, puisque un État qui entre en guerre, c'est-à-dire qui rompt un traité de paix ou qui prend la responsabilité de déclencher les hostilités, peut être théoriquement ramené à la raison au nom des impératifs de paix et de sécurité internationale. Donc la chapitre 7 a été activée à quelques reprises, la guerre de Corée, la guerre du Congo dans les années 60, mais très très peu, puisque naturellement elle se heurtait
au veto systématique. On se rappelle que, par exemple, les États-Unis, enfin, l'URSS a envahi l'Afghanistan en 80, Israël a envahi le Liban en 2006, enfin, des tas de plusieurs pays ont envahi d'autres pays, déclenché des hostilités, sans jamais être entravés par les Nations Unies, du fait du veto automatique. Chacun avait soit été membre du Conseil de sécurité, donc on pouvait aller saccager le Vietnam, ou saccager l'Irak, ou intervenir à la Grenade, ou au Panama, ou que sais-je encore, sans avoir jamais le moindre ennui, parce que, étant membre permanent du Conseil de sécurité, on est en quelque sorte juridiquement intouchable, puisqu'on détient la possibilité du veto. La première fois où la notion de responsabilité de protéger a été directement invoquée, je devrais dire la fois et demie, parce que ça avait été le cas un peu en Côte d'Ivoire, mais ça, si Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer était là, il est spécialiste des interventions internationales, il m'aurait pinaillé sur la Côte d'Ivoire, car il est vrai que la responsabilité de protéger a été invoquée par l'ONU et la France au moment de l'intervention française en Côte d'Ivoire. Mais c'était marginal, il n'y a pas eu véritablement de guerre à cette occasion, donc c'est tout de même une circonstance très secondaire qui n'a pas grand intérêt. C'est pour la Libye que cette notion a été activée. Et il est intéressant de voir que le premier véritable emploi de la responsabilité de protéger, donc de la réactivation de la notion de guerre juste avec le blanc-seing de la communauté internationale, se fait dans des circonstances où pratiquement tout ce qui est affirmé est mensonger. Et là, il y a quelque chose de tout à fait troublant. Et maintenant, j'en viens vraiment à la deuxième partie, à la fin de mon exposé introductif. Il faut nous resituer dans le contexte. Et là, on n'est plus en 2005, on est en 2011, peu de temps après. Donc, quelque part, 8 ans après l'intervention américaine en Irak, avec le recul nécessaire pour apprécier les conséquences absolument catastrophiques, les dizaines et dizaines de milliers de morts, enfin, en gros, 200 000 morts, conséquences directes de l'intervention américano-britannique. Jamais oublier les Britanniques dans l'intervention en Irak, parce que sans les Britanniques, Bush ne pouvait pas partir en Irak. Donc Tony Blair est, à mon sens en tout cas, le principal responsable, avec Bush naturellement, de la guerre et du désastre humain et politique qui en a été le résultat. Mais donc, on est à même de constater ce que sont les conséquences d'une intervention armée visant à établir un état de droit et la démocratie. On est également en plein printemps arabe. Enfin, ce qu'on a appelé d'un terme peut-être prémonitoire. Après le printemps, il y a l'été, mais c'est plutôt la sécheresse. Et puis ensuite viennent les saisons froides. Et on y est manifestement en ce moment dans le monde arabe. En tout cas, ce sont les printemps arabes, c'est-à-dire le soulèvement en Tunisie, en Égypte et en Syrie. En février, Ben Ali est pratiquement en train d'être chassé, et surviennent les premières des manifestations dans la ville de Benghazi, à l'est de la Libye, qui est la deuxième grande ville après Tripoli, qui est tout à fait à l'ouest de la Libye, et qui a été toujours, d'une certaine manière, la ville rivale et généralement oppositionnelle au pouvoir. Des manifestations ont lieu, comme en Tunisie, comme en Égypte, elles font l'objet d'une répression. Le 15 février, une manifestation d'assez grande ampleur, d'ailleurs destinée à soutenir, enfin à réclamer la libération de l'avocat des groupes, des islamistes qui avaient été mis en prison par Kadhafi, Benghazi étant un haut lieu de l'islam politique, bien plus que Tripoli, où il est pratiquement banni, mais à Benghazi et dans sa région avaient pris place des divers maquisards islamistes venant notamment d'Afghanistan. Éventuellement eux-mêmes des Libyens ou des Égyptiens ou des Syriens, mais des groupes, disons, des brigadistes internationaux islamistes.
Ces manifestations ont lieu à Benghazi, elles sont réprimées, d'autres manifestations ont lieu, et la tension commence à monter. Ces manifestants sont armés, et même pour certains lourdement armés, car entre-temps, ils ont attaqué plusieurs casernes à Benghazi. Ils se sont munis d'armes de guerre, de mitraillettes, de mitrailleuses, d'armes anti-chars, etc. Donc ce sont plus que des manifestations, ce sont déjà des groupes armés qui commencent à s'organiser pour l'autodéfense, qui étaient parfaitement dans leur droit de faire ça en prévision de ce qui les attendait potentiellement. Et le 21 février, donc quelques jours seulement après, on apprend que Kadhafi a envoyé l'aviation militaire, mitrailler des manifestants qui étaient en train de se regrouper sur plusieurs places à Tripoli. C'était directement. Et là, surviennent plusieurs déclarations de Nicolas Sarkozy, de James Cameron, le Premier ministre britannique, et de Barack Obama, donc alors président des États-Unis, condamnant sévèrement l'usage de l'aviation pour attaquer des manifestants, et on ne peut que les approuver en cela, et déclarant que Kadhafi ne pouvait plus gouverner, qu'il n'était plus légitime, qu'un chef d'État qui envoie son aviation contre sa population n'est plus digne de gouverner et qu'il doit partir. À ma connaissance, c'est une première dans l'histoire des relations internationales que trois chefs d'État en situation d'intervention potentielle, car ce sont les trois pays, trois des quelques pays, disons, d'un club très fermé, qui détiennent des possibilités militaires de projection lointaine et qui donc ont la possibilité éventuellement de réaliser les déclarations qu'ils font. Alors je tue le suspense d'emblée, cette attaque n'a jamais eu lieu. Et ce qui est frappant et qui doit nous donner à réfléchir, c'est qu'à l'époque où on peut par exemple, je vous rappelle en 2004, quand le tsunami d'Indonésie a eu lieu, on a eu des images. Au moment où la catastrophe se produisait, on avait des images. Dans toutes les situations qui se produisent à peu près n'importe où aujourd'hui dans le monde, le cyclone de Nargis en Birmanie en 2008. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup aux catastrophes naturelles aussi. J'ai donc en tête de nombreuses images d'un événement brutal, inattendu et assez bref qui se produit et qui est intégralement filmé. Eh bien, le mitraillage de ces manifestants n'a jamais été filmé. Mais là où je voudrais attirer mon attention, et surtout celle de mon voisin, si j'ose dire, mon voisin, c'est le fait que ces images que personne n'a vues ont toujours été mentionnées comme les images que chacun a vues. Une espèce de renversement miraculeux, un miracle négatif, une sorte d'hallucination collective qui amène chacun à croire en lisant que ces images que tout le monde a vues, que lui-même ou elle-même a vu ces images. 8 jours après, le 1er mars ou le 28 février, le site de la Maison Blanche postait une déclaration au terme de laquelle, enfin, qui disait en gros, en termes diplomatiques certes, mais qui était tout à fait limpide, que le mitraillage n'avait jamais eu lieu. C'était formulé d'une façon un peu plus ronde. Nous n'avons pas de preuve que l'attaque aérienne ait eu lieu. Quelques jours plus tard seulement. Entre-temps, le déclenchement du processus international avait eu lieu. La Cour pénale internationale commençait à se mobiliser. Les rumeurs d'intervention commençait à circuler et arrive un deuxième événement, la déclaration par la Ligue libyenne des droits de l'homme, enfin par le représentant en Europe de la Ligue libyenne des droits de l'homme, qui à l'occasion d'une conférence de presse tenue dans un grand hôtel parisien, sous l'égide d'ailleurs de Bernard-Henri Lévy,
au cours de cette conférence de presse, le représentant de la Ligue libyenne des droits de l'homme déclare que 6000 personnes ont déjà perdu leur vie et que des charniers ont été découverts, notamment un charnier à Tripoli avec 3000 corps, un autre charnier à Benghazi avec 2000 et un troisième à Sirte, je crois, avec 1000 corps. Cela en plus de ceux qui ne sont pas dans les charniers. Là encore, pas une photo des charniers, si j'ose dire, rien de plus photogénique, négativement photogénique certes, mais rien de plus photogénique qu'un charnier. C'est quand même extrêmement facile, plus facile disons que des hélicoptères d'attaque ou des avions à filmer. Mais enfin, on a vu en Syrie, depuis le début de la guerre de Syrie, que la plupart des attaques ont été filmées par des passants, par des habitants des différentes villes attaquées en Syrie. Donc je maintiens que l'attaque de Tripoli, l'attaque aérienne de Tripoli, aurait été filmée si elle avait eu lieu. Mais elle n'a jamais eu lieu. Et ces deux événements vont donner lieu, avec un troisième dont je vais dire un mot un peu plus tard, non, d'ailleurs, je le dis tout de suite parce qu'en fait, il relève de la même discipline. Le troisième moment de l'escalade vers la guerre, c'est la colonne de chars qui se dirige sur la route côtière, parce que j'ai oublié de dire que Tripoli et Benghazi sont deux villes côtières et qu'en Libye, l'essentiel de la vie sociale se déroule dans le nord du pays. Enfin, il y a aussi naturellement dans le sud des villes, il y a une vie également, mais enfin l'essentiel de la population, et en tout cas la Libye, entre guillemets, utile, elle est sur les rivages, elle est tout à fait au nord, elle est méditerranéenne. Et donc, une colonne de chars se dirige vers Benghazi, la ville rebelle, qu'il va s'agir de détruire. Et le fils Kadhafi ne se prive pas d'agiter des menaces, déclarant que des rivières de sang allaient couler dans les rues de Benghazi, ce qui fait partie, disons, de la rhétorique guerrière habituelle. Mais là encore, pas d'image de cette colonne de chars. Il y a 1500 kilomètres sur une route pratiquement minérale. C'est-à-dire sans végétation, c'est de la rocaille, c'est totalement exposé. Donc c'était une expédition parfaitement visible, parfaitement filmable, là encore. Et à aucun moment, des images n'ont été apportées en guise de preuve de la réalité soit de carnage déjà en cours, soit de la menace d'un carnage qui allait être pire encore, puisque Benghazi, c'est une ville de entre 800 000 et 1 million d'habitants. La Libye, c'est un pays de 6 millions d'habitants, donc à l'échelle libyenne, c'est une énorme ville. C'est une ville qui s'étend en plus sur 300 km², qui est très étirée. Et donc, rien ne vient étayer cela. Et je crois que Régis Debray, dans un de ses travaux sur les médias, sur la perception de la réalité, a eu cette phrase qui, je crois, n'a jamais été aussi bien vérifiée que lors de la guerre de Libye. Il dit « On ne voit pas avec nos yeux, on voit avec nos oreilles. » C'est-à-dire, on croit ce qu'on entend. Ou plus exactement, on voit ce que l'on croit. Hein, il a tout un raisonnement pour indiquer que la modernité s'est fondée sur la modernité, disons, à partir du XVIe, XVIIe siècle, se serait fondée sur l'idée que on croyait ce qu'on voyait, on avait besoin de toucher un objet pour penser que cet objet existait. D'ailleurs, hein, c'est quand même là aussi, saint Thomas est un peu mobilisé pour cela. Mais, nous dit-il, en réalité, on voit ce que l'on croit d'abord, c'est-à-dire on pense avec nos oreilles plutôt qu'avec nos yeux. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. L'attaque aérienne contre Tripoli, comme je vous le disais, n'a pas eu lieu, mais elle est régulièrement mentionnée comme l'attaque dont chacun se souvient des images. Et d'ailleurs, là, je ne peux pas m'empêcher, pardonnez-moi, il n'est pas là, j'aime pas beaucoup faire ce genre de truc, mais bon, de toute façon, il refuse le débat. Enfin, cela dit, j'ai eu un débat avec lui qui a été publié dans Le Monde, où nous parlons d'ailleurs de cela. Bernard-Henri Lévy commence son livre sur la guerre de Libye par ces images. La première page, il dit d'ailleurs, on fait toujours bien de s'intéresser au commencement.
et je ne saurais lui donner raison, je ne peux que lui donner raison. Personnellement, j'aime bien aussi savoir quels sont les commencements. Eh bien, le commencement, il le décrit, c'est précisément l'attaque aérienne sur Tripoli, dont il décrit les détails. Telle voiture qui saute en l'air, telle femme qui, on voit sa jupe, alors un petit côté égrillard pour donner un peu de jus, un peu d'effet de vérité. Telle femme qui bascule, jupe par-dessus tête, dans la poussière, tel gars qui se réfugie dans une encoignure en essayant d'échapper aux éclats. Bref, il a vu tout cela. Il a vu quelque chose qui n'a jamais eu lieu, mais pire encore, il n'est pas le seul à avoir eu cette hallucination, puisque l'accueil médiatique qui a été réservé à ce livre, c'est l'accueil qui est réservé à toutes ces publications en général, c'est-à-dire une sorte de grand chelem des émissions culturelles ou de livres ou d'actualité, où on le félicite pour cette action, le rêve de tout philosophe, quoi, d'être à l'origine d'une grande expédition en faveur des droits de l'homme. Et cette affaire ridicule, hein, il faut toujours s'intéresser au commencement. Et le commencement est un énorme bobard mis en circulation par Al Jazeera, c'est-à-dire par la chaîne Qatari, qui était la grande coproductrice avec la France initialement de cette guerre. Ce témoignage qui était un témoignage oral, hein, c'était un pseudo-témoin de cette attaque aérienne qui appelait en urgence Al Jazeera, laquelle Al Jazeera interrompait brutalement son programme ordinaire pour laisser place à ce témoignage haletant, ce qui était en arabe, un témoignage haletant d'un manifestant qui appelait Al Jazeera pour raconter la vérité sur les exactions causées par Kadhafi. Je vois que le temps tourne, on est 9h05, dans 5 minutes j'arrête. C'est particulièrement frappant, si j'insiste là-dessus, parce que étant invité par un zététicien à parler de cela, il me semble que ça peut faire partie du raisonnement zététique. Comment créer un objet de toute pièce, sorti de l'imaginaire, et qui agit, qui est agissant, qui a des effets, car cette attaque a déclenché la Cour pénale internationale, a déclenché une mobilisation armée, a déclenché la mise en situation d'alerte de la flotte française de Méditerranée et de la flotte américaine de Méditerranée dès le mois de mars, c'est-à-dire quelques jours après qu'elle a eu lieu. Le charnier, la personne même qui a tenu cette conférence de presse a expliqué quelques mois après qu'elle pensait que 1000 morts, c'était pas assez, mais 20 000, c'était trop, et que, ou 10 000, c'était trop, je ne sais plus comment il le disait, mais 6 000, ça lui semblait un bon chiffre, donc il a balancé ça. En réalité, Human Rights Watch et Amnesty International, qui avaient fait leur travail d'organisation de défense des droits de l'homme et d'enquêteurs de terrain, estimaient à 300 à 400 morts, dont en gros entre un tiers et la moitié de combattants, le bilan humain de cette période-là. Donc 20 fois moins que ce qui était dit. Et d'ailleurs, encore une fois, le délégué de la Ligue libyenne des droits de l'homme a lui-même avoué que c'était un pur montage, c'était une pure falsification. Et enfin, la colonne de chars qui se dirigeait vers Benghazi, elle aussi, elle n'a pas été filmée. Ce que l'on a vu, et qui est toujours sur YouTube, ce sont des colonnes de véhicules de pick-up civils chargés de sacs de grains, de différentes, peut-être de quelques munitions. Deux ou trois chars que l'on voit sur des porte-chars, mais l'un d'ailleurs est manifestement en très mauvais état, et les deux autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, de colonnes de chars qui se dirigent vers Benghazi pour aller la détruire, il n'y en a pas plus que de beurre en branche. Je m'étais amusé à l'époque, me rappelant quand même assez, disons, pas très précisément, mais avec quelques ordres de grandeur à l'esprit, parce que je m'intéresse ici évidemment aussi à l'histoire des guerres, toujours en rapport avec mon expérience à Médecins sans frontières,
Je me rappelais vaguement Budapest, hein, parce qu'après tout, une ville investie par les chars et par une armée hostile, ça évoque tout de suite Budapest, en tout cas pour un Européen. Et donc je suis allé vérifier quelle était la mobilisation pour Budapest. 2500 chars, 1000 engins blindés, 75 000 hommes. Voilà quel a été le dispositif soviétique en 1956, à une époque où on ne rechignait pas au massacre de masse. Hein, donc c'est pas... Et avec tout cela, ils ont mis une semaine à prendre le contrôle de Budapest, de Budapest insurgé, comme Benghazi insurgé. Benghazi était 10 fois plus armé, 100 fois plus armé que Budapest, où il n'avait que des pétoirs pour se défendre. À Benghazi, ils avaient de véritables armes de guerre. Et d'ailleurs, la vingtaine ou la trentaine de chars qui étaient postés en permanence à la porte de Benghazi, plusieurs d'entre eux étant hors d'état de fonctionner et d'autres étant capables de fonctionner, avaient déjà tenté des incursions sur ordre de Tripoli et s'étaient fait chasser à coups de RPG, car il faut le savoir, le domaine des chars, c'est la grande plaine, c'est pas la ville. Dans une ville, un char est très peu efficace. Tout militaire, tout artilleur le dira d'emblée. Dans un char dans une ville, c'est une cible mouvante qui se déplace lentement et qui peut être attaquée par des RPG, par des armes anti-char extrêmement efficaces, surtout que c'était des vieux tromblons, leur char. Ce n'était pas des trucs ultra sophistiqués avec des blindages imperçables comme on commence à en avoir de nos jours. C'était de vieux chars soviétiques des années 50. Donc cette colonne de chars n'avait absolument aucune chance de, quand bien même elle aurait existé, n'avait aucune chance de causer des troubles à Benghazi. Et si elle avait existé, elle aurait pu être facilement stoppée par les deux armadas maritimes qui étaient mobilisées, qui ne l'ont pas photographiée, et pour cause, puisqu'elle n'existait pas, mais qui avaient tout à fait les moyens de le stopper, parce que c'est extrêmement vulnérable. Et quelques escadrilles aériennes tirant bien, quelques hélicoptères anti-chars sachant manier leur matériel. Et dans les armées françaises et américaines, il n'y a aucun doute que ce genre de matériel et ce genre de compétences existent, seraient venus à bout, n'importe quel expert militaire en conviendrait, sans aucune difficulté. Mais voilà comment cette succession d'énormes bobards propagandistes, à chaque fois possible à, comment dire, à analyser, jamais documenté, tenu pour vrai simplement parce que cette vérité a été énoncée, c'est-à-dire ce sont de simples mots qui ont emporté l'adhésion de tous sans la moindre preuve empirique ou la moindre preuve, la moindre élément tangible. Voilà comment on en est arrivé à déclencher une guerre, c'est-à-dire à prendre la décision la plus grave qui soit pour un gouvernement, c'est-à-dire de déclarer la guerre à un autre pays et de mobiliser donc les moyens de violence pour cela. Il y a eu d'autres bobards, je me contenterai simplement de citer le dernier, mais qui a eu lieu après le déclenchement de la guerre, qui faisait partie, disons, de la propagande d'entretien de la guerre, car comme elle a connu des fortunes diverses, qu'elle a été moins rapide que prévu. Hein. Je rappelle que Juppé avait déclaré à leur ministre des Affaires étrangères, qui était d'ailleurs contre cette guerre, mais enfin qui l'a quand même endossé, a déclaré que c'était l'affaire de 2 à 3 semaines et qu'on allait exactement comme les Russes en Afghanistan. Enfin bref, comme dans toutes les interventions, c'est toujours une formalité qui va être vite réglée avant qu'on commence à patauger, à découvrir les frictions, le brouillard de la guerre. Et donc, quand ça pataugeait, il fallait bien quelques éléments pour entretenir le moral, disons. Eh bien, l'un de ceux-ci a été l'équivalent aujourd'hui de ce qu'était, disons, le cannibalisme ou l'esclavagisme aux grandes époques impériales du 19e, à l'époque de la mission civilisatrice, des entreprises coloniales réputées humanitaires, mettre fin à l'esclavage et au cannibalisme, aux pratiques barbares. Eh bien là, c'était le viol des femmes dans les zones rebelles que Kadhafi avait planifié. Et comment est-ce que quelle preuve on avait de cela? Un flacon de Viagra
qui avait été photographié sur le sac d'un tankiste, lequel tankiste est d'ailleurs mort et calciné dans son char, mais son sac, par je ne sais quel hasard, s'était retrouvé en dehors du tank. Un flacon de Viagra trônait là. Il a été filmé par Al Jazeera également. Et à partir de ce flacon de Viagra est née la légende, la rumeur, l'allégation selon laquelle les troupes africaines, les troupes noires africaines, les mercenaires africains de Kadhafi, il avait effectivement un corps de mercenaires essentiellement composé de Touaregs, allaient violer les femmes en zone rebelle. Que la guerre soit systématiquement accompagnée de viols, ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour moi, et que la préoccupation du viol soit légitime et importante, ça ne fait pas non plus l'ombre d'un doute. Mais le doute plane tout de même sur le lien que l'on peut faire entre un flacon de Viagra, ce qui laissait supposer que ces jeunes hommes combattants dans la force de l'âge, ayant pour la plupart vécu une vie solitaire depuis des mois, puisqu'ils étaient encasernés en gros, avaient besoin de Viagra pour aller violer des femmes, ce qui est quand même un comble dans le délire propagandiste. Mais rien de ces extravagances n'a été souligné, tant l'envie, voire même le besoin de croire, était puissant, profond, cultivé par des éditoriaux quotidiens. Et voilà comment on est arrivé à partir d'une résolution de l'ONU votée pour protéger Benghazi de cette fameuse colonne de chars qui la menaçait, résolution votée avec grâce, d'ailleurs j'ai entendu ça récemment, je ne le savais pas, grâce au fait que c'était Medvedev qui était président de la Russie à l'époque, hein, jamais oublier que la politique, c'est l'affaire de volonté et de circonstances. Hein. Là, il y a eu un alignement de planète incroyable. La Chine ne voulait pas s'occuper d'affaires lointaines. Et Medvedev, contrairement à son rôle aujourd'hui, où il est devenu le pire anti-européen, qui soit une espèce de propagandiste fasciste délirant, à l'époque, c'était l'homme du rapprochement, de l'ouverture à l'Europe occidentale, et ainsi de suite. Et donc, pour ne pas troubler la belle harmonie qui s'installait entre les capitales d'Europe occidentale et Moscou, il avait décidé de s'abstenir. Ce à quoi, ensuite, Poutine a répliqué en disant qu'il avait eu bien tort et que si lui avait été président, il aurait voté contre. Et pour une fois, j'aurais préféré que Poutine soit président plutôt que Premier ministre. À l'époque, vous vous rappelez, c'est l'époque où ils ont interverti les rôles. Et c'est, d'après le commentateur que j'entendais, qui est un spécialiste de la Russie, c'est la seule occurrence d'un désaccord entre un président et un Premier ministre en Russie. Ça ne se produit jamais, c'est déjà rare sous nos climats. Ça l'est évidemment encore plus en Russie. Donc voilà comment une série de mensonges dont chacun pouvait être démonté assez rapidement, en tout cas mis en doute, examiné, creusé, parce qu'il devait déboucher sur cette décision d'une gravité extrême, donc il devait être pris effectivement au sérieux. Et bien voilà comment on a, et j'en terminerai là-dessus, confondu le plausible, le possible, car effectivement, rien de tout ce qui a été avancé n'était totalement impossible. Rien de ce qui a été avancé ne pouvait être plausible. Kadhafi était évidemment un dictateur. Il se trouve qu'il n'a pas à son actif de massacre de masse. Mais après tout, il aurait très bien pu commencer à cette occasion, et personnellement, je ne lui donnerai pas quitus de cette possibilité. Mais que ce soit plausible et que ce soit possible ne voulait pas dire que c'était factuel. Or, c'est précisément la confusion de ces trois genres, le plausible, le possible et le factuel, qui a donné lieu à cette catastrophe. Alors, on s'est beaucoup moqué en France de la crédulité, de la naïveté, du suivisme des médias et des élites américains en 2003 à l'occasion des armes de destruction massive et du bobard avec le tube d'anthrax de Colin Powell au Conseil de sécurité.
Il me semble qu'on n'a pas fait mieux et je ne suis pas même sûr qu'on n'ait pas fait pire. Voilà, merci de votre attention. Je vais me diriger vers les gens qui lèvent une main pour parler, mais auparavant, je veux réparer un impair. J'ai oublié de dire qui tu étais. C'est quand même un peu la comble. Maintenant, on situe d'où l'on parle. Oui, mais on a raison. Et des fois même, on fait des erreurs. Je sais que parfois, on me présente comme le fondateur de Médecins sans frontières, ce qui n'est pas le cas du tout. Est-ce que tu peux nous donner quelques linéaments de ton histoire, de façon à ce qu'on puisse avoir une prise sur ton d'où tu parles? Oui, disons, ma principale activité depuis 1977, c'est l'aide médicale internationale, et à partir de 1978, avec Médecins sans frontières, dont j'ai été le président pendant 12 ans, de 82 à 94, et dont je suis toujours un membre aussi actif que possible, mais là, plus en recul. Moi, je ne suis plus décisionnaire à Médecins sans frontières, mais je suis conseiller et formateur. Et par ailleurs, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur les enjeux éthiques et politiques de l'humanitaire, qui sont des sujets qui me passionnent depuis longtemps, à la suite de confrontations avec des situations de dilemme dans le cours de mon activité à MSF. J'ai travaillé évidemment, je suis médecin, pardon, j'ai oublié de dire que je suis médecin, que j'ai commencé ce parcours dans l'aide médicale internationale comme médecin de terrain pendant 6 ans, et ensuite comme responsable opérationnel, puis président, où j'étais encore responsable opérationnel. Et à part ça, donc, j'ai écrit quelques ouvrages et fait quelques films sur des sujets avoisinants. Voilà. Magnifique. Donc, levez les mains, je me dirige vers vous. Et vous noterez quand même que Ronny n'a pas répondu à la question qui est « Y a-t-il des guerres justifiées sur le plan humanitaire ?» Vous notez qu'il a montré... Si, j'ai répondu. Ah, tu défends que oui, tu défends que non. C'est pas si clair. Ouais. Non, j'ai répondu dans la mesure où j'ai répondu en me situant dans l'espace international et en faisant l'histoire de cette réhabilitation des guerres humanitaires, enfin des guerres justes sous les auspices des guerres humanitaires. Et comme je fais des efforts pour ça, parfois très rudes, j'essaie d'éviter un discours normatif, c'est-à-dire... de distribuer les bons et les mauvais points, de tracer les lignes de partage entre le bien et le mal, mais plutôt d'être analytique, je me suis contenté de dire que cette notion avait repris corps, avait repris une certaine vigueur, et comme par ailleurs, je ne suis pas pacifiste, j'ai essayé de l'être, mais je n'y arrive pas, je ne suis pas pacifiste, je pense qu'il existe des situations où l'exercice de la violence est justifié, et qu'elles font bon ménage, par exemple les Ukrainiens. Je pense qu'ils ont raison de se justifier. Donc je pense qu'il existe des guerres justifiées, mais qu'il n'existe pas de guerre juste, et que ce que l'on a mis sous l'étiquette guerre humanitaire a toujours été de l'ordre de l'entourloupe. Ouais. Merci, un double merci en fait pour votre. En fait, c'est pas un micro, c'est un enregistreur. Soit vous parlez plus fort, soit je reprendrai, mais. Donc, je disais un double merci pour votre venue. Ça me fait très plaisir, moi qui vous lis depuis un certain temps, de vous voir ici, en plus dans un amphi où il arrive d'intervenir aussi. Le deuxième merci, c'est pour l'œuvre de. Désintox, de désinfox, je ne sais pas comment il faut dire, que vous venez de refaire ici, que j'ai pu lire dans le bouquin dont j'ai oublié le nom, pardon. Mais je reste un peu sur ma faim. Je reste un peu sur ma faim et ça rejoint un peu la question du collègue, parce que au-delà de justifications qui cherchent à légitimer les guerres humanitaires, il n'en demeure pas moins qu'il y a des populations qui sont en souffrance, qui sont en situation d'urgence humanitaire, et il y a aussi des régimes, des autorités politiques qui, au nom de la souveraineté, refusent une intervention humanitaire. Donc dans ce cas-là, alors on ne peut peut-être pas généraliser, je l'entends bien, mais j'aimerais bien savoir, ok avec la dénonciation de la logique de la guerre humanitaire, mais comment fait-on concrètement ?
Oui, je comprends très bien votre question, puisque c'est celle qui émerge une fois que ces préliminaires ont été réglés. Alors, d'une part, je pense que le livre dont vous n'arriviez pas à vous rappeler le titre, c'est « Guerres humanitaires, point d'interrogation, mensonges et intox », chez Textuel, qui est un livre apparemment d'entretien, mais qui est un livre... Enfin, c'est un livre d'entretien, mais c'est un livre entièrement écrit, hein, c'est pas un livre magnétophone, j'insiste là-dessus chaque fois que j'en parle, parce que j'ai horreur des livres magnétophones, et ça pourrait être confondu avec, avec cela. Donc oui, effectivement, la question se pose, je la traite dans mon livre, mais là, pour laisser de la place au débat, je ne l'ai pas traité. Pour le dire de façon résumée, parce que ça pourrait donner lieu à une autre demi-heure de présentation, pour le dire de façon résumée, l'idée selon laquelle une intervention armée extérieure peut déclencher un cercle vertueux menant à un état de droit, au respect des libertés, à la protection des minorités, bref, à ce qu'on imagine être le résultat que l'on souhaite à partir de la mise en œuvre de la violence, ça relève de l'illusion. Il n'y a aucune expérience qui, empiriquement, nous permettrait de nous appuyer sur quelques faits, quelques situations soutenant cette thèse. L'idée selon laquelle nous sommes, nous, les êtres humains, spontanément démocratiques, est une idée totalement fausse. La démocratie n'est pas un État, c'est un processus. D'ailleurs, on peut considérer que aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Europe, dont le nôtre, évidemment, on est dans une situation démocratique bien préférable à ce qui se passe dans de nombreux pays dans le monde, mais que tendanciellement, la situation est extrêmement préoccupante. Et en tout cas, personnellement, elle me préoccupe beaucoup. Et donc, l'idée qu'en coupant la tête d'un tyran, on va ouvrir un espace dans lequel la démocratie va fleurir et prospérer, est une idée qui ne repose sur rien d'autre qu'une croyance d'ordre religieux, c'est-à-dire qui s'affranchit de toute vérification factuelle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsqu'on intervient dans une situation tendue, violente, on est mécaniquement pris dans les champs de force qui s'affrontent. Prenons par exemple le Rwanda en 94, qui est l'exemple même de la situation où l'on aurait aimé avoir une intervention armée. Peut-être aurait-il été possible de prévenir le génocide qui était en cours au Rwanda. Mais d'une part, c'est d'ailleurs l'argument de Raymond Aron sur Munich qui m'a toujours beaucoup frappé, d'une part, ce génocide n'aurait pas eu lieu, donc l'intervention n'aurait pas pu être créditée d'avoir évité le génocide. Donc il y a une sorte, vous voyez, donc il y a une sorte de légitimation circulaire qui ne peut pas se faire, qui ne peut se faire que par l'esprit, en recréant une situation où on connaît la fin de l'histoire et où on aurait voulu que cette fin ne se produise pas et on aurait tenté de l'empêcher au début de l'histoire. Tentant de l'empêcher au début de l'histoire, on n'aurait pas eu la même fin de l'histoire. Et donc pas la légitimité d'une intervention anti-génocidaire. C'est ce que Aron oppose aux gens qui parlent de Munich en se drapant dans le manteau de Churchill, pour mieux vilipender Chamberlain et Daladier. Et Aron, avec son réalisme, et tout de même, Aron, dans les années 30, il y était en Allemagne, et il était parmi les rares qui avaient vu la montée du péril nazi. Donc, de ce point de vue-là, il a une crédibilité tout à fait singulière, tout à fait personnelle. Il dit, mais une intervention aurait été perçue comme une simple ingérence, un abus de la part des puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale, mais n'aurait jamais été crédité d'avoir empêché la Shoah qui ne se serait pas produite. Le mot même n'existerait pas. Alors on peut dire que malgré tout, il y avait des massacres qui commençaient au Rwanda et qu'il aurait été bon de les entraver. Ça aurait été possible sans doute pendant les 10 premiers jours des violences. Une force armée décidée
disposant d'une connaissance politique, c'est-à-dire de conseillers politiques extrêmement au fait des subtilités politiques rwandaises qui existent et qui permettaient par exemple de savoir qu'il y avait un certain nombre de généraux, de hauts fonctionnaires, de ministres qui étaient opposés au génocide des Tutsis, qui étaient violemment opposés aux extrémistes Hutus qui allaient faire un putsch vers le 12 ou vers le 15 avril 1994, enfin quelques jours avant, après le déclenchement des violences, eh bien les mettre en selle, ou en tout cas montrer qu'on était à leur côté, aurait peut-être permis d'infléchir le cours. Mais très rapidement, c'est-à-dire au bout d'une semaine, après le putsch extrémiste qui a renversé donc, le gouvernement en place pour les remplacer par des fous furieux, des espèces de nazis tropicaux, c'en était terminé, car eux, ce qu'ils voulaient, c'était tuer tous les Tutsis et garder le pouvoir. En face, le FPR de Kagame, ce qu'ils voulaient, c'était gagner le pouvoir et ne pas être entravé dans sa marche vers Kigali. Donc personne ne voulait d'une intervention. Chacun voulait la victoire pour lui. Or, l'intervention, c'était de mettre à parts égales ou de renvoyer dos à dos les deux parties. Donc, elle était devenue politiquement et probablement militairement impossible, car elle aurait été prise dans le cycle infernal des provocations, etc. Donc, même là où on est dans une situation de génocide pur, sans aucune discussion possible, la fenêtre était extrêmement étroite et les exigences qui étaient absolument indispensables pour que cette intervention produise un mieux et non pas un pire, était-elle qu'elle fait plutôt partie des souhaits tout à fait compréhensibles, mais probablement qui ne sont pas de ce monde. Question ici, puis monsieur là-bas. Bonjour. Question ici, je vous donne la parole après. Bonsoir, merci beaucoup. Je me pose une question, quand j'ai des élèves de collège, quand je leur parle de propagande, souvent ils ont l'impression que ça appartient à de l'histoire et qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est fini, la propagande, c'était les nazis, quoi. Hein. Et là, ce qui m'intrigue, c'est que vous dites que vous en avez parlé avec les intéressés, avec des gens qui ont été des propagandistes contemporains. Et bah, j'avoue que ça m'intrigue de savoir comment ils répondent quand vous leur dites tout ce que vous venez de nous dire. Quand, par exemple, vous parlez à Bernard-Henri Lévy au Monde, qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui dites bah, tout simplement les faits ou plutôt les absences de faits qui sont la base de son discours? Comment est-ce qu'il répond à ça? Comment ça se construit dans sa réponse? Ah, c'est extrêmement simple. Je suis renvoyé, d'ailleurs, ce qui devrait lui poser un problème, mais qui, semble-t-il, n'a pas cet effet-là. Je suis renvoyé à mon statut de négationniste. Alors, comme Bernard-Henri Lévy trouve judicieux de faire mine de me considérer comme un interlocuteur présentable, il le fait avec regret. C'est comme si j'étais une sorte de forisson, malgré moi, embarqué dans mon esprit, dans mon pacifisme et dans ma naïveté humanitaire, et qui ne voit pas les véritables réalités parce qu'il les filtre. Il y a une sorte de... C'est par contre, disons, c'est de la condescendance. Disons, voilà, la tactique de dénégation, c'est la condescendance. Le débat que j'ai eu avec lui, donc, qui a été publié par Le Monde, c'était en novembre 2011, c'est-à-dire bien longtemps après le déclenchement. À un moment, la guerre était terminée, Kadhafi était mort, il était clair que c'était le but final de cette guerre, on avait tout le loisir de penser les choses. Mais bon, je ne lui fais pas le crédit de la bonne foi, d'ailleurs lui non plus, mais... je lui fais le crédit de savoir être tacticien et donc c'est ça, son élément tactique, c'est celui-là, la condescendance un peu amusée, et enfin moitié amusée, moitié attristée, quoi. Mais cette conversation qui a été publiée sur une demi-page ou deux tiers de page, enfin conversation, cette confrontation est toujours accessible. C'est peut-être un instrument intéressant pour vos cours sur ce qu'il faudrait appeler maintenant la communication et pas la propagande, mais qui a le même effet et les mêmes objectifs. Question ici à ta droite. Oui. Est-ce qu'on peut résumer votre point de vue sur un plan philosophique en disant que la justice n'est pas le droit et le droit est fondé sur la force?
Non. Non, la justice n'est pas le droit, ça c'est certain. Et le droit fondé uniquement sur la force, je dirais le droit fondé sur des rapports de force, oui. Mais pas sur la force violente. Si par force vous entendez rapport de force, oui, naturellement. Bien sûr, le droit est le reflet de rapports de force sociaux, ça je... La force de pouvoir le faire respecter. Oui, oui, oui. Donc, bien sûr. Les propositions qui font qu'une guerre est humanitaire ou juste, l'ensemble des éléments de droit est fondé sur un rapport de force. Donc, ce droit, ces règles de droit, sont valables dans la mesure où Chine, Russie, États-Unis sont d'accord entre eux. On est d'accord. Sont d'accord entre eux ou ne sont pas en désaccord majeur. Puisque c'était plutôt le cas là, de cette résolution 1973 qui a été votée en mars 2011. Elle l'a été avec l'abstention de Moscou et de Pékin. Mais oui, je suis d'accord avec mon... Avant l'humanitaire, j'ai été, disons, marxiste-léniniste, et je retiens de cette période marxiste, effectivement, que le droit et les rapports de force sont loin d'être étrangers les uns l'un à l'autre. Moi, je voulais rebondir un peu sur la question d'avant, là-bas. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, soi-disant humanitaire, qui est menée... L'ensemble du milieu journalistique, en tout cas le milieu journalistique dominant, relaie cette propagande. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de leçon de tirer, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, il y a une propagande de guerre. Les journalistes se font avoir. Et puis, bon, il y a un constat qui est fait un peu plus tard où, bah oui, on s'est fait avoir. Et puis, 5 ans, 10 ans plus tard, ça recommence. Et on a l'impression que le milieu journalistique se fait avoir exactement de la même façon, on relaie les mêmes mensonges finalement, les mêmes justifications. Comment vous expliquez ça ? Est-ce qu'il y a même des études sociologiques en fait, ou quelque chose qui nous permette de comprendre en fait quels mécanismes sont en jeu là, dans le milieu journalistique en fait ? Alors d'abord, je ne parlerai pas de milieu journalistique, parce que je pense que, en tout cas dans mon expérience, il y a... Bon, d'abord, la notion de milieu est toujours discutable, c'est toujours plus hétérogène que ce qu'on croit dans un premier plan. Mais disons, au-delà de cette critique immédiate, j'ai eu toujours beaucoup d'intérêt pour le reportage. Et je dois dire que les reporters de terrain m'intéressaient, je les lisais avec profit. Et je ne considère pas qu'ils étaient la source des mensonges. La calamité au moment de la guerre de Libye, ça a été les éditorialistes. Ça, c'est et par ailleurs, je ne suis pas contre le métier. Je pense que c'est une fonction, un savoir, un talent qui est réel. Moi, je ne mets pas en cause la fonction. Mais là, en l'occurrence, c'était terrible. Et ils fonctionnaient, disons, je pense, à l'unisson de la société, car selon les sondages de l'époque, les 2/3 de la population, au moins, étaient derrière Sarkozy et les forces françaises. Et moi, la seule explication que j'ai trouvée, en tout cas, c'est pas d'ailleurs une explication, c'est un constat auquel je donne une valeur explicative, mais c'est quand même un passage en force, mais c'est un constat qui se répète. Dès lors que nos soldats sont à l'extérieur, tout le monde, enfin la plupart des gens se mettent au garde à vous. Il y a un réflexe patriotique rappelez-vous le Kosovo, enfin les 3 guerres que j'ai citées, la Somalie, le Kosovo et la Libye, plus une autre à laquelle on a participé qui était la première guerre du Golfe en 91, plus l'opération Barkhane. Au Sahel, il y a une sorte d'unanimisme. Les reportages sont, les reportages photos, les reportages télé, c'est pratiquement soviétique de la grande époque ou de l'époque actuelle d'ailleurs. Je pense qu'ils sont bien placés pour ça. Mais c'est, je pense, la présence de soldats français. Et j'ai même eu quelques copains journalistes qui me disaient leur embarras à être critiques, alors qu'ils n'avaient pas leur esprit critique dans leur poche, hein, des gens expérimentés, à qui on ne la faisait pas, mais qui se déclaraient embarrassés
de, j'en parle notamment au sujet de l'Afghanistan, parce que c'était le même topo. Juste une scène sur l'Afghanistan qui mérite d'être rappelée, parce qu'elle est parfaitement en phase avec tout ce que je viens de dire sur la Libye. De façon régulière, Sarkozy, qui, je le rappelle, avait approuvé l'intervention en Irak, hein, était allé à Washington pour soutenir les Américains, alors que Chirac avait fait le contraire quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il préparait sa future campagne. Donc Sarkozy, à chaque interview qu'il donnait sur l'Afghanistan, uniquement quand il s'agissait de cela, parlait de la nécessité de dévoiler les femmes, de les libérer de leur prison de tissu, comme il aimait bien dire, et de ne pas pactiser avec des gens qui faisaient des choses telles que, par exemple, couper les bras d'une femme qui s'est mis du vernis à ongles. Donc le coup d'amputer des femmes qui avaient du vernis à ongles et de libérer les femmes de leur prison de tissu, le féminisme version Sarkozy, ça revenait régulièrement. Pas une seule fois, je dis bien pas une seule fois, on lui a demandé comment il comptait dévoiler les femmes dans l'Afghanistan rural, ni d'où il tenait que les talibans avaient amputé des femmes qui s'étaient vernis les ongles. Je rappelle que c'était un mensonge de la propagande américaine au Vietnam, qui disait que les communistes coupaient les bras des enfants qui portaient des traces de vaccination, parce que l'armée américaine avait ses opérations dites psychologiques, là, de hearts and minds, comme ils le disent, et donc faisaient de la chirurgie, de la médecine, de la santé publique, etc., dans les populations déplacées. Ils vaccinaient effectivement des enfants, et la propagande disait que les communistes coupaient les bras des enfants. Donc cette histoire de bras coupés pour une trace portant signe d'une allégeance au camp d'en face, c'est un vieux tromblon de la propagande. Eh bien, à aucun moment on a demandé à Sarkozy de justifier des allégations aussi énormes que celle-ci. Donc alors là, je pense que des gens ici sont mieux placés que moi pour interpréter cela. Moi, j'y vois le besoin de croire, une sorte de substitut religieux, un besoin de foi, et un besoin de faire corps aussi avec la nation ou la supposée nation en armes. Et je m'arrête là parce que je n'ai pas les compétences pour aller plus loin. J'ai celle qu'il faut pour détecter ces bobards, mais pas pour en faire l'analyse, disons, psychologique ou sociologique. Ma question porte sur la difficulté à prévoir un crime génocidaire, et du coup, découlant la légitimité à intervenir. Et du coup, je voulais vous poser la question par rapport à un concept dont je ne connais pas la crédence, qui est les étapes génocidaires. Donc c'est un concept de Gregory Stanton où il y a une dizaine d'étapes qui vont de la préparation d'un génocide à la 9e étape, l'extermination, puis le déni, et à chaque étape est prescrit une réponse qui est jugée appropriée. Et pour la 9e, la réponse que prescrit du coup cette échelle, c'est une intervention armée. Mais si l'intervention armée n'est pas la solution parce qu'il y a un pire amené par cette intervention armée, alors quelle est la solution? Comment est-ce qu'on prévaut à un génocide ou une préparation de génocide si on ne peut pas l'interrompre? Est-ce qu'on laisse ça, par exemple, aux gens à l'intérieur du pays de se révolter ou est-ce qu'on regarde? Moi, si j'ai présenté les critères de Thomas, Saint Thomas, les critères de la guerre juste et leur reprise par le Conseil de sécurité sous les auspices de la responsabilité de protéger, c'est parce que je pense qu'ils sont le cadre de ils fournissent encore aujourd'hui le cadre de réflexion. Et j'ai pu peut-être avoir
un ton un peu distancié ou vaguement moqueur. Mais je ne crois pas. Enfin, en tout cas, si je l'ai eu, c'était involontaire pour parler de cette notion de responsabilité de protéger. Parce que je pense que la réflexion de saint Thomas et ses critères, à la fois les critères normatifs, donc les trois, la cause juste, l'autorité légitime et le principe de proportionnalité, ça c'est les critères normatifs, je ne me suis pas du tout attardé dessus parce qu'il me semblait aller de même. Et puis qu'ils sont simples à énoncer et à comprendre immédiatement. Mais je les reprends là, et les deux derniers critères que j'estime être politiques, mais au sens d'une éthique politique, ce sont le critère de la guerre comme ultime recours et des chances raisonnables de succès. Eh bien, c'est cela. Ce qu'on veut face à un génocide, c'est créer une situation qui soit préférable au génocide, c'est-à-dire qu'il fasse tomber le niveau de violence, pas qu'il exalte. Or ça n'est jamais acquis d'avance. Ça n'est pas parce que le crime est d'une gravité particulière que la réponse armée au crime va être nécessairement efficace. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'armement moral de cette réponse est bon que son armement pratique va produire des résultats. Donc je n'ai pas de réponse directe à vous donner, je n'ai qu'une réponse indirecte. C'est penser dans les termes de Thomas d'Aquin, et calculer la politique, c'est aussi du calcul, au meilleur sens du terme, parce que la responsabilité que l'on prend à engager la force dans des situations comme ça, car qui dit génocide dit en général situation de violence, le génocide en temps de paix, c'est rare. Ça, les Ouïghours sont là pour nous rappeler que malheureusement, ça n'est pas impensable, mais disons, c'est quand même l'exception. Mais regardez sur les Ouïghours, allons-nous déclarer la guerre à la Chine pour sauver les Ouïghours? Certainement pas. Et même là, on voit bien qu'on enfouit la question Ouïghour dans le contexte actuel où la Chine est plutôt un besoin qu'une menace. Enfin, en tout cas, les deux à la fois, peut-être. Donc, je n'ai que cette réponse-là, supputée. Enfin, agir avec divers moyens de pression par la parole, par des actions économiques, par des alliances diplomatiques diverses pour tenter d'améliorer la situation. Et si intervention il doit y avoir, qu'elle soit calculée pour améliorer la situation et ne pas l'empirer. Or, pour l'améliorer, on a des éléments empiriques. Et on comprend bien d'ailleurs pourquoi il ne s'applique pas du tout à la Chine. Il y a des interventions qui ont fonctionné, par exemple au Timor, en Sierra Leone, en 1999. Deux interventions dans lesquelles les Français n'étaient pas impliqués et donc auxquelles les Français et la presse française ne se sont pas intéressés. Mais deux interventions ont eu lieu qui ont été des succès. C'est-à-dire que, au sens où je le disais tout à l'heure, la situation après, la situation qui prévalait après l'intervention, était nettement meilleure que la situation antérieure. C'était donc au Timor, devenu indépendant en 1999, et en Sierra Leone, où la capitale était assiégée par des forces qui étaient extrêmement dures. Le Kosovo est un troisième exemple, un peu à mi-chemin, mais quand même un troisième exemple. Donc on a trois situations là de succès internationaux. Et qu'est-ce qui les rassemble, ces trois-là? Plusieurs critères. Le fait que ce sont des territoires très, très limités, en gros, deux départements français, c'est-à-dire aisément contrôlables, et pour lesquels on dispose d'une force soit déjà présente sur le terrain, soit déjà présente au pouvoir, soit pouvant se substituer au pouvoir actuel. Ce qui était le cas au Kosovo, qui était le cas en Sierra Leone, où on défendait le gouvernement, qui était le cas au Timor, où il y avait le Frétilim, qui depuis des années, avait bâti sa popularité, son ancrage politique dans la société timoraise, et donc était prête à prendre le relais. Mais ça montre bien que ces possibilités sont extrêmement limitées, en tout cas sur le plan militaire, elles sont extrêmement limitées. Les critères qui permettent d'augurer d'un succès possible sont très contraignants, et réduisent le champ des interventions à relativement peu de choses, mais pas à rien, puisque ces trois exemples le rappellent. Nous nous soumettons au grill de Delphine, et j'ai noté une question pour ensuite, pour monsieur qui est là-bas, et pas d'autres pour l'instant.
Alors du coup, bas de grille, il va y avoir, mais seulement à moitié, parce qu'en réalité, je partage énormément des choses que vous avez dites. Et j'avais quand même envie de rappeler une petite anecdote. À 4 ans, à votre place, j'avais invité le général Givre, qui était l'ancien commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne, dans ce même amphi, pour clore un colloque de l'Association française de droit de la défense. Et il était venu nous parler justement de comment les militaires voient le droit. Et on avait eu droit à un discours complètement à contre-courant de ce qu'on aurait pu imaginer. Un discours extrêmement ouvert, extrêmement critique. Donc ben, je suis contente de voir que la tradition dans cet amphi se poursuit. Alors tout ce que vous avez dit, ça m'inspire une remarque et une question principale. Je commence par la remarque. En fait, je mettrais bien en miroir tout votre topo avec la guerre suivante, qui est un peu le miroir en fait, de la Libye qui est la Syrie. C'est-à-dire, je pense que c'est parce qu'il y a justement eu tous ces fakes autour de la Libye qu'il n'y a rien eu sur la Syrie, que la communauté internationale n'a pas réussi à réagir. Et notamment, l'un des arguments qu'ont invoqué les Chinois et les Russes, quand on a commencé à discuter de potentielles interventions militaires, parce qu'on avait quand même un certain nombre de preuves d'agression de Bachar al-Assad contre son peuple, d'utilisation d'armes chimiques, de crimes de guerre, etc. Le grand argument invoqué par la Chine et la Russie, c'est de dire non, vous ne nous aurez pas de foi. Vous nous avez eu avec votre responsabilité de protéger en Libye, parce que ça vous a permis de faire du regime change, de changer le régime à votre guise. Vous ne nous aurez pas sur la Syrie. Qui est en fait le dindon de la farce? La population syrienne. Et c'est toujours le cas actuellement. Donc je trouve ça intéressant en fait, de mettre ça en miroir, parce que ça nous montre combien finalement le fait d'avoir vendu du faux rêve à des populations occidentales qui l'ont acheté, mais parce qu'elles n'avaient pas le recul, à mon avis, pour pouvoir être critiques, ça a eu des conséquences aussi sur d'autres conflits. Donc ça, c'est la remarque. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est en vous écoutant, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot que vous n'aviez pas prononcé du tout, c'est le mot militaire, alors qu'on a parlé de guerre depuis une heure et demie. Et ça m'inspire du coup la question suivante, et qui est aussi basée sur l'expérience que j'ai moi-même en tant que chercheuse sur des questions de défense, qui interviewe régulièrement des militaires. Je me suis rendu compte que bien souvent, en fait, on a une image des militaires qui est un peu fausse, parce qu'ils sont bien souvent beaucoup moins va-t-en-guerre que nos diplomates. Et j'aurais voulu savoir quelle est votre expérience justement dans les contacts avec les militaires sur les différentes missions que vous avez pu mener. Quelles ont été éventuellement les difficultés ou peut-être les facilitations sur le terrain entre vous, ONG, et puis les militaires? Merci. C'est une question à double fond, si j'ose dire. D'une part, mes relations personnelles avec les militaires. D'autre part, Médecins sans frontières et les militaires sur le terrain. Moi, mes relations avec les militaires... D'abord, j'ai découvert que les militaires avaient un point de vue intéressant sur la marche du monde à l'occasion d'une invitation qui m'avait été lancée de venir faire une conférence à l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Et il m'avait proposé d'arriver en avance parce qu'un amiral parlait avant moi et il faisait un exposé sur la flotte française dans le Pacifique. Et moi, je me disais... Enfin, je trouvais ça très curieux, parce que je ne voyais pas ce qu'on pouvait dire sur la flotte française au Pacifique, à part dire qu'il y en a un porte-avions, un destroyer, je ne sais quoi, et tout. Et donc, piqué par la curiosité, je suis arrivé avec, pour l'écouter, et j'ai découvert plein de choses. Un point de vue sur le Pacifique, auquel je ne m'attendais pas du tout, politique, stratégique, social, enfin c'était vraiment extrêmement intéressant. Et d'ailleurs j'ai fait l'IHEDN, ensuite j'ai été le premier ONG, maintenant il y a systématiquement une ONG. Ce qui montre que c'était en 86 ou en 87, la mode ONG n'était pas encore aussi installée, la vogue humanitaire était montante, mais pas aussi installée qu'elle l'est aujourd'hui. Ce qui montre l'attention que prêtent les militaires aux évolutions sociales et tout, ça m'avait favorablement impressionné. Puis je fais un bond dans le temps, j'ai fait, enfin, cet exposé que je vous ai fait, enfin je l'ai fait de façon un peu plus détaillée, un peu plus long, mais à peu près la même chose, à l'école navale, il y a quelques années de cela, et en arrivant à l'école navale de Brest, et en arrivant, en étant reçu par mes hôtes, j'apprends, ce que je ne savais pas, que le directeur de l'école navale était l'amiral qui commandait la flotte française en Méditerranée, le Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle, hein, c'est ça Oui, en Méditerranée, au moment de la guerre de Libye. Donc il savait absolument tout, puisque tout partait, ou presque tout partait des porte-avions, du porte-avions et du groupe naval. Donc j'ai fait l'exposé, notamment quand je parlais de la colonne de chars, je disais les Français comme les Américains avaient cette colonne de chars sous les yeux. Enfin, s'il avait existé, il l'aurait eu sous les yeux. Et j'avais jamais eu l'occasion d'en parler avec un militaire, donc j'avais un petit peu le trac. Il a absolument rien dit, mais ensuite il m'a évidemment invité à déjeuner avec un groupe d'élèves, un groupe d'élèves officiers, etc. Et il a tout à fait confirmé en privé. Ce que j'avais dit, et il a intégralement approuvé il a trouvé parfaitement légitime et argumenté de façon correcte ce que j'avais. Alors lui, évidemment, il dirigeait les soldats là, il avait son obligation de réserve, et il n'avait pas à se prononcer sur le but de guerre, obligation à laquelle je souscris. Je suis content que les militaires restent dans leur caserne. C'est toujours mauvais signe quand ils commencent à se mêler d'autres choses. Donc mes relations étaient bonnes. Et je me situant dans une école, je dirais, réaliste, bien que je sais que c'est un terme polysémique, hein, on peut y mettre beaucoup de choses, mais quand même, je l'assume. D'ailleurs, la réponse que je faisais sur la question du génocide se situait dans cette perspective-là. Et ce que j'aime dans Saint-Thomas, dans les critères de la guerre juste de Saint-Thomas, c'est leur caractère réaliste, qui ne fait pas fi de la morale, qui a une préoccupation éthique, mais qui s'inscrit dans une perspective du monde réel. Quant à la deuxième partie de votre question, rapidement, on a eu des problèmes avec les militaires dans les années 90, parce que ça a été l'époque du nouvel interventionnisme des Nations Unies. Je rappelle qu'entre 90 et 95, il y a eu autant de casques bleus déployés sur le terrain qu'entre 45 et 90. Donc en 5 ans, autant qu'en 45 ans d'existence. Donc c'était vraiment la fin du veto automatique, le renouveau du multilatéralisme sous direction américaine, d'ailleurs, mais enfin quand même avec une dimension multilatéraliste prônée par Clinton. Mais sur le terrain, ça, c'était parfois compliqué. Les militaires estimaient qu'on avait des comptes à leur rendre, ce qui, pour MSF, était absolument impensable. Et pas spécialement les militaires français, hein, les militaires, les casques bleus en général. Et on les tenait à distance. Donc, mais ça a été l'occasion pour nous de commencer à creuser les raisons pour lesquelles on devait se tenir à distance. Est-ce que c'est parce qu'un militaire, c'est un pestiféré ? Non, parce qu'on en fréquentait sans arrêt des militaires et d'autres militaires. Mais je passe les étapes parce que ça prendrait trop de temps, mais je dirais qu'au bout de quelques années, la coexistence s'est apaisée. Dans l'ensemble, on évite de recourir à leur service, bien que dans deux ou trois circonstances, on était bien content de les trouver. Ils ont par exemple évacué une équipe de MSF au Congo-Brazzaville au moment de la guerre du Congo en 98-99, où notre équipe était vraiment en très mauvaise posture, très menacée, et où des forces spéciales les ont exfiltrées. Et moi, je leur suis reconnaissant, et on était tous reconnaissants. Mais c'est quand même des exceptions. Ça s'est passé deux fois où on a été exfiltré par des militaires. Sinon, on se tient à distance, mais à une distance qui n'est pas hostile, qui est une distance de distinction. Vous avez votre métier, on a le nôtre. Et compte tenu du fait que, enfin, si c'est des forces françaises en plus, il est préférable de ne pas être trop dans leur voisinage pour éviter d'être distingué, quoi. D'être confondu, je veux dire. Voilà. Peut-être pour en prendre deux, avec des réponses courtes. Levez vos mains, agitez-vous, et je me dirigerai vers vous. Merci. Le sentiment que j'ai eu en vous écoutant, c'est que le droit, c'est le cache-sexe des violences des groupes humains. Ni plus ni moins, il ne faut pas trop en attendre. D'autre part, dans le fonctionnement de ces des sociétés, enfin de ces groupes, il y a des phénomènes très complexes qui relèvent de la psychologie des organisations
et qui sont en jeu et qui sont plus ou moins guidés, orientés par rapport aux masses publiques par une propagande assez habile. Actuellement, ce qu'on peut constater, il y a l'utilisation du spectaculaire, du technique et l'utilisation également d'un émotionnel très ciblé. Par rapport à la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine, où on essaie de nous éviter de penser, je ne pense par exemple par rapport à cette guerre personnellement qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'innocents dans une guerre. Il y a des raisons des deux côtés, mais on ne veut pas les voir. On évite de nous intéresser sur l'ensemble des souffrances subies par les deux peuples. Les destructions des villes, les milliers de victimes, c'est colossal quand même. On ne nous attire pas là-dessus, on nous guide sur une espèce d'émotion héroïque, le nombre de chars, le nombre de machins, etc., qui sont complètement à côté de la plaque. On n'en a rien à foutre, moi, de savoir s'il va le dernier modèle des léopards ou j'en sais rien. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui est sensible, susceptible de mobiliser pour essayer de faire arrêter cette guerre. On nous détourne de ces choses-là. Voilà, c'est ce que m'a fait. Quelle est ta question, mon ami ? C'est pas une question. C'est pas une question. Comme ça, c'est facile à répondre. Non, bon, c'est une opinion, donc c'est la vôtre et je la respecte. Je dirais juste un mot. Je pense qu'il faut. Enfin, je pense que l'idée de renvoyer dos à dos systématiquement tous les protagonistes des guerres est mauvaise conseillère, personnellement. Il n'y a pas d'innocents dans la guerre, mais il y a des gens qui ont une position plus juste que d'autres. Et moi, il me semble que c'est important, sur le plan politique, sur le plan de la citoyenneté. Je dirais que le seul domaine, et ça peut paraître un peu paradoxal vu ma position, le seul domaine dans lequel cette indistinction doit être la ligne directrice, c'est l'humanitaire. En humanitaire, en matière humanitaire, on doit s'abstenir de chercher à savoir qui a tort, qui a raison. Notre unique guide doit être comment peut-on se rendre utile à des gens qui ont besoin de nous. C'est ça mais ça, c'est très spécifique, c'est ce qui fait la singularité de l'humanitaire. Mais par exemple, je dis ça parce que bon, je suis très impliqué dans le débat sur le conflit israélo-palestinien, par exemple. Il y a une sorte de guerre larvée, de guerre de basse intensité, comme disent les militaires en Israël-Palestine. Et pour moi, le fait de renvoyer dos à dos Israéliens et Palestiniens, c'est la ruse, c'est-à-dire la ruse des dominants. Et je ne les renvoie pas dos à dos. Les Palestiniens sont victimes de l'occupation israélienne, et il me semble important de le rappeler. Ça ne veut pas dire que les Palestiniens sont innocents de quoi que ce soit. Naturellement, ce sont des êtres humains, il y a des corrompus, il y a des gens qui torturent, il y a des salauds, il y a tout ce qu'on veut. Enfin bref, il y a une société humaine. Mais dans la position politique où ils se trouvent, pour moi, le renvoi dos à dos fait l'affaire du puissant. Et c'est toujours le cas. Le renvoi dos à dos fait l'affaire des puissants. C'est pour ça que je voulais réagir à votre formule, simplement. Il n'y a pas d'innocents. Non, il n'y a pas d'innocents, mais il y a des gens qui ont une position plus juste que d'autres. Voilà. Voilà. D'accord. Sur la paix, il faut comprendre les raisons de tous. Ah, ça, c'est autre chose, bien sûr. Une question ici au centre. Moi, j'ai une question, parce que depuis le début, on a parlé de beaucoup de conflits. On a engagé des forces armées tierces au conflit, mais pas forcément d'une aide matérielle. Parce que, par exemple, on a parlé donc, que de guerre, on ajoute une armée, mais qu'en est-il des guerres humaines, des guerres que je pourrais considérer comme humanitaires, où on intervient de manière matérielle en apportant un soutien, comme en ce moment par exemple. Et est-ce que ça constitue des guerres humanitaires? Enfin, comment on se situe en fait par rapport à ces conflits? C'est-à-dire, j'utilise le terme de guerre humanitaire ou pas, d'ailleurs de guerre, quand il y a un engagement physique dans l'exercice de la violence. Le fait d'apporter une aide. Moi, par exemple, j'ai commencé ma vie militante avec le bateau pour le Vietnam. C'est le bateau pour le Vietnam, première mouture, donc des années 60, quand j'étais jeune lycéen. Le bateau pour le Vietnam, c'était un bateau qui embarquait des vélos, des groupes électrogènes, des médicaments, des vêtements, des tas de choses, pour soutenir politiquement les insurgés vietnamien.
mais on n'estimait pas qu'on était en guerre, sinon, enfin, de façon totalement allégorique, quoi. En revanche, on aidait ceux qui faisaient la guerre par des moyens pacifiques, mais des moyens qui leur étaient utiles. Les vélos étaient extrêmement utiles. C'était grâce à ça que la piste Sokimine pouvait fonctionner, parce que les mélos, ils n'étaient pas dessus. Ils chargeaient les vélos de tas de choses et ils les poussaient dans la gadoue, dans les pistes défoncées qui constituaient la piste Sokimine. Donc voilà, l'aide matérielle, c'est autre chose. Pour préciser, j'entendais le matériel militaire, d'armement. Ah, d'accord. Ben ça, c'est. Disons, il y a une définition politique, il y a une définition juridique. Je crois que juridiquement, si vous aidez quelqu'un à faire sa guerre, vous n'êtes pas co-belligérant. D'ailleurs, je crois que la notion, enfin, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais je crois que la notion de co-belligérance n'a pas de substrat juridique. En revanche, sur le plan politique, c'est laissé au jugement de chacun. Il est tout aussi légitime, me semble-t-il, de dire que puisque vous livrez des chars Léopard, des hélicoptères de combat, des missiles, des tas de choses qui vont tuer des soldats de l'ennemi, de l'armée ennemie, vous êtes co-belligérant. À l'inverse, on peut dire, mais on n'a pas de boots on the ground, selon l'expression consacrée, on n'a pas de troupes au sol, on n'est pas en train de livrer bataille nous-mêmes, on aide quelqu'un avec qui on est allié à se défendre, donc on n'est pas co-belligérant, on aide simplement notre allié. Je pense que c'est à chacun de décider ça. C'est en fonction de ses affinités politiques, les uns décideront qu'on est embarqué dans cette guerre, qu'on est co-belligérant et qu'on n'aura que ce qu'on mérite si la situation se retourne, et d'autres réfutent ça. Moi, j'avoue que j'ai pas de position stable là-dessus. J'aurais plutôt tendance à me dire, et me sentant du côté ukrainien dans cet affrontement-là, dans cette guerre, pas plutôt d'ailleurs, me sentant du côté ukrainien, j'aurais plutôt tendance à me dire que l'aide qu'on apporte aux combattants ukrainiens n'est pas une aide de co-belligérant, mais une aide de quelqu'un qui veut aider ce pays à se défendre. Puis peut-être pour remettre un peu les choses en perspective, parce que les chiffres, c'est important, même si on peut les manipuler, mais j'ai regardé tout à l'heure par curiosité les chiffres, en fait, c'est-à-dire l'argent qu'on donne pour le soutien militaire à l'Ukraine. Au niveau de l'Union européenne, on est autour de 3,6 milliards sur un an. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le pendant, c'est-à-dire combien on donne en aide humanitaire et en aide financière générale. Et en fait, en aide humanitaire, on donne autour de 1,5 milliard d'euros sur un an, donc ce qui est quand même beaucoup. Et en aide financière générale, on est à 25 milliards. Donc vous voyez, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu cette mise en balance des deux. Même si, dans les médias, on n'en parle pas, en fait, de l'aide humanitaire qui est donnée à l'Ukraine, alors qu'elle existe. Merci. Un mot de la fin, Ronny, nous devons plier bagage. Je ne conclus jamais. Jamais. Ben, merci à toi. Merci.